Paris. Je présente aujourd'hui une petite souris pour les personnes, les professionnels de la conception 3D, c'est-à-dire l'architecture, la conception de pièces automobiles, de coques, de bateaux. La souris est ici pour améliorer la réactivité dans la conception et le déplacement des caméras lors des exécutions de nos volumes et ainsi de suite. Elle se compose essentiellement de deux joysticks complètement programmables. Vous voyez, le premier qui est sous le pouce, qui permet, une fois réglé, de zoomer, dézoomer et d'agir sur un des premiers plans. Et le deuxième, lui, se trouve à l'intérieur de la souris, qui vous permet à la suite de déplacer votre caméra tout en gardant votre index libéré et à continuer à travailler tranquillement. Là, vous avez une petite pièce qui a été conçue à la va-vite. Mais si je devais utiliser la technique de base pour sélectionner et déplacer mes objets, je vais énormément perdre de temps. Les deux techniques principales sur n'importe quel logiciel de 3D, c'est l'utilisation de clavier ou l'utilisation de la molette, le doigt enfoncé, je pousse, je tire pour déplacer mon objet. À partir de maintenant, grâce à ces deux joysticks, on va pouvoir faire évoluer notre volume tout en manipulant la souris, c'est-à-dire que ça va réagir comme un joystick. Pour les fans de jeux vidéo, ça va être tout simple, c'est-à-dire quand je vais plonger ma souris, mon objet va s'incliner. Quand je vais le tirer vers moi, il va revenir gauche, droite. On a vraiment quelque chose de très très intuitif qui libère l'index, donc qui libère aussi la contrainte, enfin on va dire on va atténuer la contrainte de la tendinite du clic. On ralentit réellement ce processus et on peut continuer à travailler sans se faire sans se faire beaucoup de mal. Voilà l'idée. L'idée est toute simple, améliorer le confort et la productivité de nos architectes, de nos développeurs 3D, de nos développeurs de jeux vidéo, pour qu'ils se fassent plaisir, tout simplement. J'ai appris qu'il y avait possibilité de plus tard de peut-être l'adapter sur certains jeux. C'est déjà un peu opérationnel, non ? C'est un peu... Alors, oui, on va dire que c'est une petite rumeur. La souris a déjà été testée sur les Sims, sur World of Warcraft, donc tous vos déplacements au-dessus de votre troisième personne, ça c'est fonctionnel. C'est vrai que la cible principale pour l'instant, ce sont les professionnels de la 3D. J'aimerais, moi qui suis fan de jeux comme Battlefield, pouvoir libérer mon bureau d'un joystick et pouvoir jouer par la suite avec une souris directement sous la main. Ça, c'est des idées qui arrivent, on aimerait bien pouvoir le réaliser. Il y a eu des tests aussi sur Trackmania pour le pilotage des véhicules, c'est fonctionnel. League of Legends, non ? League of Legends, on aimerait bien, mais pour l'instant, c'est pas le titre dont on discute le plus. Mais l'avenir enfin, se permet, voilà, faire de la 3D, enfin, faire de la souris pour de la 3D, pour les pros de la 3D, c'est un public très très ciblé. C'est vrai que si on peut s'élargir et venir apporter une autre solution de jeu pour les petits bureaux, pour les étudiants qui sont ces jeux, parce qu'ils éviteraient d'avoir un clavier, une souris, un joystick, ce serait hyper intéressant de pouvoir réaliser ça. C'est dans les tuyaux, on aimerait pouvoir y arriver, mais on verra tout ça, comment ça se passe. Ça va dépendre des pilotes, des versions qui vont arriver par la suite, etc. Je pense aussi, ouais, ça va être ça. Voilà. Bah, écoutez, merci. Merci à vous. Au revoir.